Et à part ça, il y a aussi les activités préventives. Les activités préventives, c'est là où nous avons les CPN. Les CPN, c'est pour la consultation prénatale, pour les mamans qui ont des grossesses, qui suivent maintenant leur consultation, l'évolution des grossesses. Il y a aussi la CPES, pour les enfants qui sont en train de suivre comment leur croissance. C'est pourquoi vous voyez les samedis, il y a tout un monde, beaucoup d'enfants qui viennent ici. C'est pour être vaccinés. La vaccination des routines, on les fait ici. La planification familiale, hein, elle est aussi faite ici. C'est-à-dire, tout ça, ce sont les services qui sont organisés ici chez nous. Et pour la politique que vous avez vu, que vous avez dit, sinon ici, si les malades viennent, premièrement, le premier remède, c'est l'accueil. L'accueil, c'est ça, le premier remède pour les malades. Même si un malade n'a rien, il faut d'abord bien l'accueillir. C'est comme vous, monsieur le journaliste, vous arrivez à la maison de quelqu'un. Si vous voyez, vous êtes déjà mal accueilli, vous serez dépaysé. C'est pourquoi ici chez nous, nous commençons d'abord par l'accueil. Cet accueil, ça commence déjà à soulager notre malade. Même s'il était venu avec la fièvre, vous verrez que la fièvre et la température qui étaient apparentes, ça peut baisser de soi suite seulement à cet accueil. C'est-à-dire, c'est ça la première stratégie ici chez nous, c'est l'accueil. À part l'accueil, nous donnons les soins sans toutefois demander aux malades d'aller chercher les médicaments quelque part. Hein? Ça vraiment, c'est pourquoi les malades, ils ont confiance. Ils n'ont pas le temps d'aller les sillonner, même la nuit, avec des ordonnances, aller par-ci, par-là. La structure s'organise vraiment pour approvisionner les médicaments de première nécessité. Je pense que ça peut être comme l'hypothèse de la question que vous avez posée. J'espère que la population sera totalement satisfaite des réponses. Bon, moi, je vais peut-être m'attaquer à l'AG. Ça sera peut-être une question de complémentarité avec le médecin-chef, le docteur. L'exercice 2019-2020, la polyclinique, il y avait dédoublement des polycliniques ici à Moba, notamment la polyclinique de Katumba qu'on parlait comme ça. Bon, comment avez-vous géré cette situation à l'époque-là? C'est pourquoi je voudrais peut-être revenir pour le petit correctif là. Parce que l'autre fois, vous êtes en train de parler d'une polyclinique moderne. Non. Voilà. La polyclinique ici ne s'appelle pas polyclinique bénédiction moderne. C'est la polyclinique, la La bénédiction bénédiction de Dieu. dédiée, tout court, on se limite. Quand il faut parler de polyclinique moderne, peut-être vous attaquez des autres polycliniques. Juste, vraiment, on n'avait pas de problème. Juste au départ, selon l'historique, peut-être il y a une hypothèse que le médecin peut-être n'a pas soulevée, comme vous avez dit, peut-être de parler en grosso modo. C'était juste au départ, la polyclinique était gérée par des promoteurs. Quand ils ont évolué, et tout un chacun a dit qu'il fallait peut-être créer ses activités privées, ils se sont peut-être séparés avec son homologue. Ou peut-être lui aussi est allé peut-être créer sa polyclinique, mais le docteur Baruni est resté avec sa polyclinique, c'est propre à lui et c'est celui le médecin directeur avec sa polyclinique qui s'appelle Polyclinique La Bénédiction de Dieu. Il n'y avait pas de compte à rendre. Nous, on travaillait sans problème, peut-être on n'avait pas eu de problème de notre part avec d'autres là. C'est comme vous pouvez créer une Oui, histoire dans la AG, famille. la question était de savoir comment avez-vous géré cette situation Par rapport à quoi? Parce que la situation que par vous parlez. rapport aux polémiques qui se disaient dans la cité. C'est ce que j'étais en train de dire. Nous, on n'avait pas. Nous, Polyclinique, la bénédiction de Dieu, on n'avait pas de polémiques. Peut-être les autres qui avaient des polémiques, parce que nous, peut-être les polémiques que nous avions eues, c'est peut-être les gens qui voulaient faire des antivaleurs parfois. Mais à ça, peut-être on est allé une fois, peut-être à la radio, démentir peut-être de ceux qui se disaient, de dire qu'on est peut-être succursale de ceci, non. Vraiment, ça c'est l'histoire qu'on était en train, parce qu'on accueille les malades. Qui, nous, on était quelque part. On nous dit que le médecin, le docteur Varini, vient encore quelque part consulter. Peut-être ça c'est juste ça, nous. Ça, on voulait juste. On est passé aux médias et on avait démenti à la population. Et en général, ce que nous voulons dire à la population, nous sommes que Polyclinique La Bénédiction, on n'a pas d'autre succursale.
Non. Vraiment, c'est ce que je voudrais vous poser. Docteur Barouine, pourquoi n'avez-vous pas voulu changer les noms? Non, sinon, je vais compléter d'abord l'AG et puis je réponds. Je pense que l'AG a dit là, c'est très pertinent. Nous sommes toujours au Akitenta, nous n'avons pas de succursale. Quand vous avez dit comment vous avez géré la situation, sinon nous avons géré la situation en grand. Puisqu'il y a les gens qui travaillaient à notre nom, soi-disant que non, docteur Barouine a créé quelque chose encore là-bas. Nous connaissons que c'est punissable. Si on se plaignait même à la justice, là c'est punissable. Et là, moi, je suis en train d'œuvrer ici avec les documents. Mon nom ici de la polyclinique de la bénédiction de Dieu, j'ai même les documents en provenance de Kinshasa. C'est Kinshasa qui attribue même la dénomination. Cette dénomination, quand vous voyez là-bas dehors, il y a les numéros, l'identification, la ID que vous voyez là. C'est pour notre ministère. C'est pour le ministère de Kinshasa. Comme moi, j'ai le numéro d'identification de Kinshasa, c'est moi qui suis reconnu à Kinshasa avoir cette dénomination. Même si je me plains à la justice, ce sont les autres qui seront vraiment condamnés pour une concurrence déloyale. Sinon, nous acceptons le tout. Il y a même une semaine que j'ai eu encore la nouvelle cacale. Il y a aussi notre structure qu'on appelle la bénédiction. Et là, on dit que c'est le succursale pour ici. Or, je suis sous-informé. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est punissable par la loi. Sinon, on est en train de gérer en grand toutes les situations là. Je sais qu'avec le temps, même les gens sauront que ce sont des mensonges. Bah, vu déjà les polémiques, on sent déjà qu'il y a nécessité de créer des succursales. Qu'est-ce que vous pensez pour l'année 2021? Non, pour l'année 2021, on ne sait pas encore, mais nous n'avons pas vraiment cette ambition de créer des succursales. Hein? Puisqu'on se réserve un peu, nous connaissons le pourquoi on ne le veut pas. Hein? Il y a des gens d'ici, même les chefs coutumiers, certains chefs coutumiers, qui venaient me solliciter pour que je crée les succursales par-ci, par-là. Sinon, je me suis réservé, puisque pour que cette histoire d'abord fonctionne, j'avais sué. Hein? J'avais sué, c'est pourquoi je me réserve. Je ne veux plus encore avoir trop de problèmes. Nous avons des endroits d'hospitalisation. Il y a du côté clinique. Depuis qu'on a commencé du côté clinique, on fait payer toujours 15 000 jusqu'à aujourd'hui. Hein? Les 15 000, c'est par jour ou non, bien? Les 15 000, là, même si quelqu'un fait 10 jours, 20 jours, 30 jours, c'est toujours les 15 000. Or, ailleurs, la clinique, on fait payer par jour. Si c'est 5 dollars, c'est 5 dollars par jour. Mais ici, depuis qu'on a commencé, on fait payer seulement 15 000 francs, quel que soit le nombre de jours. Et du côté de médecine interne et pédiatrie, on fait payer 10 000 francs depuis qu'on a commencé. Alors docteur, nous sommes en train d'aller à la fin de cet entretien. Oui. Mon confrère avait soulevé un cas qui s'est répété, juste vous l'avez justifié, en 2020, des décès enregistrés donc instantanément. Maintenant, quel est le mot de confiance que vous allez dire à la population qui vous donne toujours confiance, vous, docteur Barouine? Ok, merci beaucoup. En rapport avec cette question, le mot de confiance, moi je sais que nous, comme d'habitude, nous nous soignons. C'est Dieu qui guérit. Quelle que soit vraiment la gravité de la maladie, nous donnons notre coup de main. Quand nous donnons notre coup de main, et c'est Dieu qui guérit. C'est-à-dire, à nous seuls, nous n'allons pas dire que c'est nous qui guérissons les malades. Non. Celui qui guérit, c'est Dieu, mais nous traitons. C'est le seul message que je vais donner à la population. Même s'il y a les décès, par exemple. C'est-à-dire, les décès, c'est partout. Hein? Même quand vous partez, ou même en Amérique, partout, il y a toujours les décès. C'est pourquoi, même dans des hôpitaux, dans chaque hôpital, il y a toujours des morgues. Les morgues qui sont là, c'est-à-dire, c'est pour mettre les malades.
Et quand nous sommes ici, nous n'allons pas dire que non, quand nous sommes ici, il n'y aura pas de morts, tout ça. Non, ça c'est impossible. Sinon, nous garantissons la population que nous sommes là pour elle. Que celui qui est malade, il vienne. Nous allons nous dépasser pour soigner. Et c'est Dieu lui-même qui va guérir. Sinon, c'est ce que je vais donner comme message à la population, même s'il y a un décès, c'est-à-dire c'est normal. C'est normal, il y a des décès ici. Demain, ça sera à une autre structure, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Un mot de vœu à vos malades pour l'année 2021. Et ce que je vais donner comme un mot de vœu à mes malades, sinon, nous souhaitons d'abord meilleurs vœux et nous demandons vraiment que les malades viennent en gogo. Celui qui n'a pas les moyens, il peut venir s'expliquer. Nous allons donner les soins. Sinon, on proposait avec l'AG pour qu'on organise même les soins gratuits. Sinon, c'est un processus qui est en cours. Je ne sais pas le processus est en cours. Je ne sais pas toujours au courant de ces mois ici si on pourra les faire. Si on ne fait pas ça pour ces mois, on pourra les faire même à la longue avec une certaine couche de population que nous allons cibler. Puisque nous n'allons pas cibler tout le monde, ça sera impossible. Sinon, nous préconisons une couche vulnérable. Par exemple, les handicapés, les veuves. C'est une couche que nous sommes en train de voir. Dans quelle mesure, si on aura quelque chose pour disponibiliser un petit colis de médicaments pour les prendre en charge pour un temps. Ça, c'est le message que je donne à la population et je souhaite tout le monde vraiment bonne santé et toutes les bonnes choses pour cette année qui vient de commencer. Sinon, c'est le petit message que je donne à la population. Et je termine par les conseillers pour la protection contre le COVID-19. Merci. C'est par ce message du médecin Baruin que se termine notre émission à l'Otanganyika qui a parlé du fonctionnement de la structure sanitaire La Bénédiction de Dieu. Je dis merci à toutes et tous, chers téléauditrices, auditeurs de la télévision Londioléo, pour avoir été avec moi dans cette émission. Merci au directeur de la télévision, M. Boulamba Odon, pour m'avoir accordé l'espace, et à Iboala Ikwene Chamboui pour son accompagnement. Moi, c'est Isidore Kachule qui vous ai présenté cette émission depuis le territoire de Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.